pour Alexandra Pasquale, une Française agent immobilier à Ibiza, les affaires reprennent dès le mois de mai. Allô, allô Claire, comment vas-tu? On arrive là, on est dans quelques minutes, on arrive à la villa. Ok? À tout de suite. Ce matin, elle a rendez-vous à la villa Centeleo avec un couple d'Allemands. Laura et Mickey cherchent une maison à louer pour la semaine prochaine. C'est la gouvernante Claire, une Française, qui les accueille. Je te présente Mickey. Laura. Enchantée. Merci beaucoup. Mickey a fait fortune dans les logiciels pour lunettes virtuelles. Son critère numéro un, c'est la vue. Waouh! Fantastique. Close to your favorite place, Mickey. Exactement. Une villa de 800 mètres carrés habitable. Avec piscine de 17 mètres. Salle de gym. 7 suites, dont certaines avec terrasse. Et baignoire avec vue. Et surtout, aucun vis-à-vis. Le must à Ibiza. Pourquoi une si grande maison? On va être un groupe de 9 ou 10. Certains vont venir avec des enfants. C'est pour cela qu'on a besoin d'une aussi grande maison. Ici, chacun peut avoir son intimité. Voilà pourquoi on a choisi cette maison pour cette année. Wonderful. Merci beaucoup. Vous avez parlé du prix? We did, yeah, we did a little bit. I had a range of price to play with, and yes, of course, it would be, yeah. We've negotiated. On a bien négocié, et Alex nous a obtenu un très bon prix, un prix raisonnable. Un prix raisonnable pour cette splendide villa, c'est 50 000 euros la semaine. En juillet et août, comptez 20 000 de plus. Si certains sont prêts à dépenser des fortunes pour passer une semaine à Ibiza, ce n'est pas seulement pour ses eaux turquoises ou ses couchers de soleil à couper le souffle. C'est aussi pour ses nuits. Tout l'été, la crème des DJ mondiaux enflamme les dance floors, où se pressent jusqu'à 12 000 personnes. Particularité de l'île, pas besoin d'attendre le mois de juillet pour que la fête commence. Dans ce club de vacances, il y en a deux qui ne sont pas venus pour faire la sieste. Jérôme, 24 ans, et Jean-Paul, alias JP, 23 ans, sont tous les deux normands. Commercial en produits agricoles, Jérôme a été sacré meilleur vendeur de l'année. Pour le récompenser, son patron lui a offert un séjour pour deux à Ibiza d'une valeur de 1100 euros. Bon voilà, ça y est, on peut commencer, ça part. Jérôme a emmené dans ses bagages son copain JP, mécanicien. C'est l'après-midi qu'on fait les activités. Matin, on récupère. C'est leur première fois à Ibiza. Ils se sont loués des quads, 40 euros par jour, pour sillonner cette île longue de 45 km et en découvrir tous les plaisirs. Eh, hey, ça envoie du lourd, hein. Ça envoie la paille. Non mais, maintenant il n'y a plus qu'à trouver des gonzesses. Pendant leur semaine, les deux Normands comptent profiter de la plage et du soleil, faire des rencontres. Ouais, par là, contre, c'est un peu plus jeune que où qu'on était. Là, ça rigole pas. Mais surtout, découvrir les boîtes de nuit de l'île. À peine ont-ils mis les pieds dans le sable qu'on leur propose déjà des tickets de réduction pour une soirée. Ce soir, c'est la soirée d'ouverture. Ok. Ouais, vous en voulez? Pour vos amis, peut-être. Ah, ok. Vous voulez quoi exactement? Parler français? Non, anglais. How many match? 35 euros avant 1h du matin. 35 euros et après c'est 50 euros.
Non, 50. Bye. See you. Entre les clubs, ça ne rigole pas. C'est à celui qui arrivera à rameuter le plus de monde. Sur l'île, dès le mois de mai, pas moins d'une cinquantaine de bars ou de boîtes se disputent la clientèle. On a des soirs à faire, n'empêche que tu vois tout ça à faire. Ça fait quelques boîtes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ce soir, il y a l'Ushuaïa, c'est en face du Hai. Après, il y a la première de Haro, une soirée très chouette à l'Amnesia. Ça coûte 60 euros. Et puis, il y a le Pacha, c'est le symbole d'Ibiza. En tout, ça fait 12 soirées. Ah bon, on peut pas faire toutes les soirées, on va soir. Hein. Une semaine, ça va pas suffire. Même en une semaine, là. Alors que Jérôme et JP ne savent pas où donner de la tête, un des plus célèbres DJ français débarque sur l'île. Après 25 ans de carrière et 3 millions d'albums au compteur, Christophe Le Friand, alias Bob Sinclair, revient tous les étés à Ibiza. T'as pas de passe, toi, t'es à la rue. Il arrive de Monaco, où il a mixé toute la nuit. Avec, dans ses valises, ou plutôt dans son ordinateur, son dernier titre, qu'il compte tester en public pour la première fois. En fait, le morceau s'appelle I Believe. Hein, et j'ai une version un petit peu plus brésilienne, je dirais, bossa nova, comme ça. Et attention, c'est une exclusivité mondiale. Pour celui qui a mixé sur les platines du monde entier, Ibiza reste l'endroit qui peut lancer un tube pour l'été. Voilà. Ça, c'est vraiment les... Et t'imagines la big room, tu vois. Et les gens, les bras en l'air, sont comme ça. C'est très, très, très Ibiza. Ibiza, l'ouverture, c'est là, c'est un peu le jugement dernier. Parce que c'est là où tu vas tester le titre. Et tu, voilà. Parce que c'est un public de connaisseurs. Ils savent sur quoi danser. Ils savent, et si tu sens l'énergie du dance floor, si cette énergie la prend sur le titre, voilà, tu sens, tu dis qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se passer l'été sur ta chanson. Pour être sûr de ne pas passer inaperçu, Bob Sinclair est venu accompagner 20 transformistes qu'il a fait venir à ses frais de France, d'Espagne ou du Portugal. Pour toutes et tous, 4 heures d'habillage ou de déshabillage, et une illusion presque parfaite. Ah, ça, c'est magnifique. Après Paris by Night. Oh, bah là. Allez, j'ai même le col marin. Oh là là. Tiens, mon story, hein. On dirait Mireille d'Arc. Hein. Pour attirer les foules et se démarquer de la plupart des autres DJ, Bob Sinclair veut en mettre plein les oreilles, mais aussi plein les yeux. Le DJ tout seul, pour moi, c'est fini. Quand les gens payent jusqu'à 80 euros l'entrée d'un club, je veux qu'ils arrivent à Paris by Night et qu'ils sortent de là en disant « Waouh, ça a été incroyable !» Parce que maintenant, ils arrivent, ils ont un DJ joué souvent la tête dans les platines en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a joué de la musique, on a payé, on a bu un verre. » Non, je veux qu'il y ait quelque chose de différent. La petite troupe ne va rester à Ibiza que quelques heures. Mais Bob Sinclair ne se contente pas d'une simple apparition en boîte de nuit. Avant cela, il y a ce que les clubbeurs appellent le before, un échauffement de début de soirée dans un café sur la plage. Et comme prévu, je suis comme la reine d'Angleterre. Le groupe ne passe pas inaperçu. Oui, bah la reine mère, elle ne peut pas passer la seconde, là. Hé, hey, la cava, avanti. Il est 21h. Le café est déjà bondé. Le DJ s'installe aux platines pour 1h30. Jérôme et JP ont finalement choisi de commencer leur soirée ici. Ils espèrent apercevoir leur idole. Mais elle est inaccessible, encerclée par sa garde rapprochée.
Le spectacle laisse les deux Normands un peu dubitatifs. C'est déjanté, là. On n'a pas ça en Normandie. C'est dans l'extrême. C'est dans l'extrême, là. Hein. C'est dans l'extrême. Non, mais moi, là, je ne parle pas bien. Je ne suis pas de ce bord-là. On va boire un petit là. Les deux compères préfèrent aller boire un verre. Avant de terminer son set, Bob Sinclair lance son nouveau titre, I Believe. Et visiblement, il est très content de lui. Pas question d'aller se coucher. Il va falloir attendre 4 heures du matin pour le prochain set. À 49 ans, Bob Sinclair nous dévoile ce que serait le secret de son endurance. Un peu de fruits et tu t'as toute la nuit là. Non mais c'est une discipline. C'est une discipline de haut niveau. Les gens s'imaginent que on boit de l'alcool, je prends de la drogue, des choses comme ça, mais tu peux pas tenir si tu prends ces, si tu fais ces choses-là. Moi j'ai vu des DJ dans des états pas possibles. Mais moi ça fait 20 ans que je fais ça. Direction le Pacha Club, la plus ancienne discothèque d'Ibiza. Elle a ouvert en 1973, dans une simple ferme, en pleine période hippie. 40 ans plus tard, c'est devenu un empire, racheté en 2016 par un fonds d'investissement pour 350 millions d'euros. Allez. Hi. Comment tu vas? Ça va bien? Hello. Ça va bien? Bob Sinclair y joue depuis près de 20 ans. Pour moi, c'est le club, c'est le club le plus mythique, c'est le meilleur club d'Ibiza. Voilà, le plus sexy, le plus glamour, c'est extraordinaire. Par contre, là, il y a une nouvelle. Ce soir, il est un peu perdu. Par là maintenant? Ouais, ouais, mais ça vient de changer. En fait, ils viennent de refaire le Pacha cette année. Ils ont fait des travaux de dingue. Avec sa soirée, il espère faire le plein et attirer 3000 personnes. Bob Sinclair a été programmé sur le meilleur créneau. 4h, 6h du matin. L'heure de pointe dans les clubs d'Ibiza. En arrivant à sa cabine, le DJ a une mauvaise surprise. Oui, je sais. Il n'y a pas de place prévue pour ses danseurs. Le nouveau décor cache le podium. La troupe de Bob Sinclair est reléguée derrière la licorne. Malgré tout, le spectacle commence. C'est parti pour 2 heures de mix, facturé selon nos estimations au minimum 15 000 euros. La boîte de nuit se rattrape sur les entrées et les consommations. Au carré VIP, le ticket d'entrée est de 350 euros minimum par personne. Pour les moins fortunés, comme Jérôme et JP, c'est 60 euros l'entrée sans consommation. 6 fois plus cher qu'au Tempo, leur discothèque de Montchevrel dans l'Orne. Après ce grand bain dans la folie d'Ibiza, il leur reste 36 heures à passer sur l'île. Le temps d'enchaîner encore plusieurs fêtes. Car ici, dès la fin du mois de mai, on danse nuit et jour, dedans ou dehors, qu'il pleuve ou qu'il vente. Meuf, tu penses que c'est gratuit? Bah oui, meuf. Mais non. Claire et Marie, deux étudiantes parisiennes, vont vivre une fête un peu particulière. Ça aurait été trop bien. C'est moi qui t'ai mis la presse. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, on pouvait pas savoir. Elles embarquent en plein après-midi sur un dance floor flottant. C'est ce qu'on appelle une boat party. Voilà. Bienvenue. De rien. Oh, ça a l'air stylé. Oh, vraiment. Une fête à bord d'un bateau transformé en boîte de jour. Il y a un coin VIP. Il y a un coin
bar à volonté pour 70 euros par tête. La croisière dure 5 heures au rythme de la musique électro. Ils ont vraiment super bien vendu le truc, ils vendent du rêve et ça on a adoré. Ouais. Vraiment. Donc on attend de voir, mais pour l'instant ça démarre. Ouais, pour l'instant, ouais. Pour encadrer la boat party, un capitaine, 4 marins, 5 serveurs, 3 DJ et 2 danseuses. Hello, good morning. Paola et Alessandra qui doivent se changer dans la cale. Comme c'est le début de la saison, cette étudiante italienne est encore en période d'essai. C'est un jour très important pour moi. Je dois faire mes preuves. Je travaille en tant que danseuse et je dois bien danser. Aujourd'hui, c'est difficile avec la mer agitée. Alessandra doit assurer 4 passages de 15 minutes sur une petite estrade en équilibre plutôt précaire. La danseuse doit aussi savoir manier la mitraillette à champagne. C'est la champagne shower, la douche à champagne. Un passager n'en perd pas une goutte. Baylon Brooks, une star des réseaux sociaux aux États-Unis. Il filme tout et diffuse en direct sur Instagram. Il a été invité par les organisateurs pour faire parler de cette croisière inaugurale et attirer du monde pour le reste de la saison. Regarde, c'est ce que je viens de filmer. Je mets un filtre dessus et c'est posté dans le monde entier. J'ai plus de 100 000 personnes qui viennent sur ma page en moyenne toutes les semaines. Et ce sont des gens qui voyagent et qui viennent voir ce qui se passe à Ibiza, ce que j'y fais. La mer est de plus en plus agitée. Avec une forte houle et des rafales de vent à plus de 40 km/h. Dans les boat parties, plus dangereux que l'abus d'alcool, le mal de mer. Sur le pont inférieur, c'est un peu la cellule de crise. Marie, la copine de Claire, n'a profité que des 20 premières minutes de la fête. L'équipe distribue des pilules contre le mal de mer. Alessandra, la danseuse, vient d'en avaler une. Vous sentez bien ? Ici, en bas, c'est très confiné. En haut, c'est un peu mieux, parce qu'il y a un peu d'air. Et je ne peux pas danser si je vomis. Alessandra sauvera les apparences. Pour cette prestation, elle est payée 60 euros. De retour à quai, c'est l'heure du verdict. Sera-t-elle rappelée pour d'autres croisières ? Débriefing par Constantin, le patron allemand, lui aussi en petite tenue. Elle sait comment s'y prendre. Faut suivre la vague. La vague, oui, faut suivre la vague. On va tous en discuter et on va décider. Mais moi, je pense que c'était vraiment très bien. En dansant de club en club, elle espère gagner 3 à 4 000 euros par mois. Alessandra est logée en périphérie de la ville, comme la plupart des saisonniers qui affluent par milliers dès le printemps. Ah, mais tu es là, toi ? Ouais. Moi, je viens d'arriver. Je cherche des boulots de danseuse. Moi, je suis à San Antonio. Ah, bene, bene. Ok, on se verra plus tard à San Antonio. Salut, tesoro. Elle habite un appartement avec 6 autres Italiens. Comme Martin, qui s'occupe de la maintenance de piscine. À Ibiza, on paye le lit et non la chambre. Pour 300 euros par mois, Alessandra se retrouve donc avec une autre occupante, serveuse.
J'ai eu la chance, ça aurait pu facilement être 500 euros le lit. La situation est complètement affolante ici pour se loger. C'est plus compliqué de trouver une chambre qu'un travail. L'Italienne compte rester jusque fin septembre, avant de rentrer finir son master en communication à Milan. D'autres finissent par faire leur vie ici. Comme Gilles Kehog, un Niçois de 44 ans. En cette fin mai, il s'apprête à lancer un restaurant sur l'île. Moi, je vais arriver là dans une demi-heure. On va faire une petite réunion en haut sur la terrasse avec les employés, OK ? Pour bien expliquer la soirée. Gilles est tombé amoureux d'Ibiza en 1993, à l'âge de 19 ans. Trois ans plus tard, sans aucune expérience, il décide de monter un premier restaurant, l'Éléphant, qui très vite devient une adresse incontournable. Voilà un peu la clientèle de l'époque, clientèle française. Monsieur Yannick Noir, John Kruger, Etienne Dao, moi au milieu, et Carl Cox, plus grand des jockeys du monde. Hein. Mais aussi une certaine Paris Hilton, qui débarque un soir de 2006 avec 250 de ses amis. Elle est restée toute la soirée, hein. Ça a commencé à 22h et elle est partie à 3h du matin. Alors qu'en général, avec une star de cette ampleur, on peut quand même s'attendre à ce qu'elle vienne 15 minutes, qu'elle fasse photographier, qu'elle parte. C'est vrai que ça a fait un gros bond pour le restaurant. Une publicité qui attire dans les semaines suivantes les fortunes du monde entier. Comme cet émir et ses dames de compagnie. Apparemment déshydratés, ils commanderont plus de 35 bouteilles du meilleur champagne. Ça, c'était une addition à combien ? 44 000 euros, 44 158 euros. En 2009, Gilles décide de passer la main et rentre à Nice. Mais l'appel d'Ibiza est trop fort. Alors cette année, il s'est réinstallé sur l'île pour relancer son restaurant. Afin de remplir la salle, il s'est offert des encarts publicitaires dans la presse locale. Mais Gilles compte surtout sur ses anciens clients. Bonsoir Gigi, ça va ? Ça va, monsieur Enzo ? Si tu vas à venir à mi fiesta esta noche. Oui, c'est toujours à la même adresse ? C'est clair. C'est à quelle heure ? Ivo, yo estoy subiendo ahora a las 10:30, a las 10:30. Super, salut. Ciao, ciao. Difficulté supplémentaire pour le Niçois. Son restaurant est situé loin des plages, au milieu de l'île, dans un village de 2000 habitants. Qué tal? Todo bien? Ça va. Ça va? Ça va bien. Tu parles français? Tu parles français un petit peu, c'est bien. Pour la réouverture, il a embauché à tour de bras et dépensé 300 000 euros en travaux. Vous avez essayé les lumières, toutes les lampes, là. Qu'on n'ait pas une mauvaise surprise dans 5 minutes, s'il vous plaît. Alors, pas d'ampoule et une cassée là-bas. Mais c'est pas les choses qui me font rire, moi. Il veut se positionner sur le haut de gamme. Et pour cela, il a recruté le chef Pedro Montré, une pointure en Espagne. Comment ça va ? Buenas tardes. Pedro a déjà cuisiné pour Hillary Clinton, Madonna ou Mick Jagger lorsqu'il officiait en Catalogne. Pour l'ouverture, il a concocté un menu unique à 65 euros sans les vins, avec du foie gras qu'il accommode à toutes les sauces. Il y a un plat principal et une entrée, un thon mariné au foie gras. Non, t'inquiète pas, il regarde comment je prépare l'assiette. 22 heures. Parmi les premiers clients, un fidèle de l'ancien restaurant de Gilles, Monsieur Juan, un architecte réputé qui a fait la décoration de la plupart des discothèques d'Ibiza. Il est venu en famille. Monsieur Juan laisse toujours des additions entre 1000 et 2000 euros. Et il commence tous ses dîners par un magnum de champagne. Je t'ai dit qu'on allait donner un magnum à Juan. Alors ne lui demande pas ce qu'il veut. ...80 couverts pour ce premier soir. Moins qu'espéré. Mais sur la terrasse, l'ambiance se réchauffe... ...et le chiffre d'affaires grimpe.
1000 euros en tout. C'est trois fois moins qu'il y a 10 ans, mais Gilles veut rester positif. C'est évident que il va falloir travailler, mais c'est un beau résultat. Pour un samedi soir, une première nuit, c'est super, c'est extraordinaire. Il ne reste plus qu'à faire revenir Paris Hilton. Cela tombe bien, elle passe l'été à Ibiza, comme 4 millions de touristes chaque année.